Bon alors les gens, petit réveil matinal à 7h à cause du décalage horaire, petit café, on a quand même une vue imprenable sur le Christ et pour un petit déj, ça va. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit les deux sirmanges. Évidemment, petit Nutella Brésil. Alors, les deux soja brésiliens, mais la marque Hades, ils font des laits de soja super beaux. Franchement, impressionné. Petit sucre bio et cacao en poudre et café. Bon. Bon, allez, ça y est, on est prêt. C'est parti. On va aller voir le pan de Asukar ce matin. Bon, c'est pas comme si on connaissait pas, mais. Hein? Là, on arrive au pain de sucre qui est derrière moi. On va aller acheter les billets et on va aller visiter ça. Mais avant, il faut prendre le téléphérique pour y monter. Devant. Donc c'est la première étape avant de monter jusqu'en haut du pan d'Asukar. Et on a déjà une petite vue sympathique. Voilà, petite sortie en hélico pour voir toute la baie de Rio. On va faire le tour du Corcovado. Ça va être bien sympathique. Baptême de l'air en hélico pour moi. Bon, l'hélico est prêt. Hein. On va y aller. Décollage immédiat. Bon, plus que nous dedans en fait. Hein. C'est l'heure de l'apéro, donc là on va s'arrêter. On va se prendre un petit jus. Donc moi j'ai pris une agua de coco. Les autres ont pris des sucres de limon. Et surtout on va manger du pan de queijo. Ça fait 3 ans et demi qu'on n'a pas mangé. Petit tour dans la boutique Havaianas. Évidemment on n'a pas pu s'empêcher d'en prendre. En plus il y a des modèles qu'on trouve vraiment pas chez nous. Donc voilà, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a pris comme modèle? On a pris des tongs, attention, on a pris la tongue de luxe avec le petit diable, évidemment. Bon ben comme vous le savez, en tant que youtubeur, on n'est jamais vraiment en vacances, donc je suis en train de vous faire le montage de ma prochaine vidéo qui va être en ligne. Et j'ai testé donc ces barres protéinées. Moi quand je vais dans un pays, il faut toujours que je teste 50 000 trucs, toute la bouffe qu'ils ont, etc. Et c'est archi bon. J'en profite pour vous montrer les petits tongs que j'ai acheté tout à l'heure. Vous n'avez pas vu initialement, mais c'est des petits Christochowski. Et ça va faire parfaitement l'affaire ce soir pour aller sur la plage, les pieds dans le sable, voir le feu d'artifice de Copacabana. Donc voilà. Restaurant, donc petite soirée dehors, on va essayer de bien manger, de bien boire et après on va aller donc sur Copacabana. Il y a à peu près genre 2 millions de cariocas qui vont pour voir un feu d'artifice qui est vraiment exceptionnel, que j'avais vu il y a 3 ans parce que j'avais aussi fait le réveillon ici. Et voilà, je pense que la soirée ça nous sera plus que bien. T'as failli tomber, tu sais. Donc un petit peu brésilien, portugais, on sait pas trop, la carte.
y est, restaurant fini, on se balade un petit peu. Donc là on est à Leblon, on va remonter jusqu'à Ipanema. Donc là l'objectif c'est d'aller voir le feu d'artifice qui commence en fait à minuit. C'est un des plus beaux feux d'artifice du monde qu'on avait vu et qu'on avait adoré. Donc voilà, on a le temps. Il est 10h30 je crois. Mais du coup on se fait Leblon Copacabana à pied. On en a pour une petite heure de marche. On va se mettre en jambes.